J'irai bien. Salut tout le monde, c'est Tech et on se retrouve encore une fois avec Vibe. Salut Vibe. Salut tout le monde. Et on se retrouve pour du StarMade encore, donc vous avez nos deux magnifiques vaisseaux spatiaux. Exactement. Vaisseau spatial ou vaisseau spatiaux? Bon, je lui ai un peu abîmé l'aile gauche, hein. Il y a eu un petit accident dans l'épisode 1, vous avez pu voir qu'il y a un tir qui est parti un peu. On a pu voir aussi que tout le monde a préféré mon vaisseau que le vaisseau de Terre. Mais le mien, il est bien. Moi, au moins, tu vois, il peut atterrir. Parce qu'il a pas pensé à l'atterrissage. Oui, moi, il peut atterrir, mais pas redécoller parce qu'il faudrait des réacteurs vers le bas. Bah rien, au pire, on met des réacteurs vers le bas. On met un ou deux réacteurs vers le bas, on peut le faire, non? Ouais, tu peux le faire, ouais. Mais le souci, c'est que tu vas quand tu vas l'activer pour avancer dans l'espace, ça va faire pfff, tu vas t'envoler. Ça va partir dans tous les sens. Donc voilà, et ce qu'on va faire aujourd'hui, on va essayer de se trouver. Bah vas-y, je te laisse expliquer parce que c'était son une station spatiale et déjà pour montrer comment ça marche le shop qui est vraiment important. Ouais, on va montrer. Acheter un bloc. Alors shop ici, voilà, ensuite bloc. Acheter le build bloc qui se trouve dans le général qui est assez important, on vous montrera pourquoi. Moi j'en achète deux. Et aussi je te conseille. J'en prends qu'un moi, non? Hein? J'en prends qu'un? Bah ouais, prends un qu'un. Et aussi il faudrait que t'achètes pendant qu'on y pense. Alors faut qu'on trouve, c'est un Shipscore. Ça sert toujours, c'est un petit vaisseau si on se fait péter le vaisseau malencontreusement par des. Ah oui, les Shipscore, ouais, c'est le truc de début, ouais. Donc vaut mieux l'acheter, sinon après je vais me déplacer à pattes. Pourquoi j'en ai pris trois? Ils sont où? Ils sont dans Ship. Shipscore? Ouais, Shipscore. Donc en gros, c'est divisé en. Si on perd le vaisseau, je suis un peu deg, hein, désolé, ouais. Mais. Bah après, tu vas voir qu'on va se faire assez pas mal d'argent et que les vaisseaux, ils seront à temps final. Autant que je veux. 110, ouais. Donc moi j'avais pris qu'un Shipscore, au pire il m'enfilera. Faut savoir qu'on commence avec 25 000 $, hein, dans toutes les parties, donc enfin dans ce qu'on a paramétré. Donc, c'est pas du cheat. Moi il me reste 5 000 en tout. Moi il me reste 17 000 encore. Ah bah ça va quoi. Donc on va prendre nos vaisseaux, ouais. C'est parti. Notre bite et notre merde. Et je te. On part dans n'importe quel secteur. Je te suis. Non, vas-y, je te suis. Okay. Attends, t'en vas pas trop vite. Hein. Moi, je passe directement en vitesse de la lumière. Sur le. Tu vois le secteur 2, 1, 2. Attends, le secteur. Oula. Juste devant moi. Ouais, ouais, c'est parti. C'est parti. Et on s'arrête là-bas? Bah, on va voir. Tu me suis. Dès qu'on trouve une station spatiale, on a. Je suis pas en train de te fumer là. Tu vois? Wow! Faut que je freine. Après, il y a des astéroïdes comme ça, on peut aussi faire du minage. Sauf qu'avec la technique, on va vous montrer ça. T'es où toi? Mince, il y a des ennemis devant. Ah non, c'est toi qui es passé? Ouais, c'est moi qui suis passé. Bah attends. J'ai un vaisseau qui pulse, hein. Par rapport au tien. On va au 202 maintenant? Ouais, bah attends, sinon on va se mettre une. Ouais, mettons-nous à un endroit où on va aller parce que là, le souci c'est pour te suivre, c'est de caca quoi. Surtout que je sais pas dans quel sens je suis encore. Voilà, ouais, je suis normal. Tu te souviens, on va il y a des planètes de glace, il y a des petits trucs de glace là. Ouais, bah on ira faire un tour après. On va montrer aux gens comment ça marche la navigation. Donc il suffit d'aller dans navigation et dans waypoint, on va te donner un petit point de rendez-vous. Donc on va dire que là on est au de 2, on va dire genre 4-4-4. Là je crois que j'arrive à me poser, attends. Ouf, j'ai réussi à me poser. Non, j'ai pas réussi à me poser en fait. Du tout, je me suis juste écrasé comme une merde. Je voulais me poser sur un petit truc de glace là. Alors secteur 4-4-4, ouais, alors on va dans navigation, voilà. J'ai mis 4-4-4, ouais. 4,4,4. C'est vraiment okay. Important ça pour se retrouver quand vous êtes en multijoueur. Ouais. Voilà, donc vous allez dans navigation, vous tapez là ce que vous voulez, vous faites OK, et là vous voyez le secteur. Ils me disent d'aller vers ce secteur là, donc on va se retrouver au secteur 4-4-4. Enfin là au 2-1-2, mais il faut qu'on passe par plusieurs secteurs pour y arriver. À la vitesse de la lumière enclenchée, pif. Et moi, ce que je fais de temps en temps, c'est quand. Oh bah, putain, il y a un astéroïde! Ah, je te vois, t'es devant moi! Frappé quoi, il m'a. Regarde, mec! attends. Tu dois plus me voir là, normalement. Ça. Non, je faisais du 200 et quelques, mec! Je suis juste derrière toi, sauf qu'on a pile au même moment. Donc, ce qui est sympa aussi, c'est que. Ouais, ouais. Une petite astuce, c'est quand on se déplace comme ça, on est dans des secteurs, on n'a pas envie de regarder à droite à gauche, et qu'on fait inventaire, on regarde en navigation. Et là, je vois station 76, 11. Oula, il y a le choix. Oh, elles ont disparu. Merde. T'es allé trop loin. Ouais. Tu les vois encore, les violettes, ou pas? Non, parce que moi, je suis parti super loin, là, déjà. Bah, essaye de faire I
par inventaire une navigation. Si là il y en a une, elle est à 76 mètres, donc je la sélectionne. Dès que je te vois, tu es à 1000 mètres de moi, donc là il y a une station. Prends, si tu vois dans navigation la 76, tu la sélectionnes. Attends, faut que je m'arrête. Ouais, mais même pas si t'es en cours, c'est pas grave. Tu N, la 76, tu m'as dit ouais. Station 76. Oui, la station 76, c'est vers le secteur 332. Non, je la vois pas, non. Le film, tu la vois pas? Station 93, mais pas 73. La 76, je crois que c'est ça. Non. Ça va pas non plus. Mais on va au secteur 444 déjà. Tu vois laquelle toi? Ah non! Ah bah attends, mais au pire, j'essaye de te choper toi. Ouais. Mob pirate, ouais, à 1400 ça, mètres. Bon, ça par contre, on voulait pas vous présenter ça tout de suite. C'est sur l'image, on est mort. Mob trending, shop, vibe Nico. Je te rejoins au pire. Le Tafator, t'as appelé ça? Là, le secteur, je dois me diriger vers un autre. C'est station 93. Ah, mais t'es juste là, mec? Bah ouais, bah ça va. Et on va où là? 1700 mètres. Et là, je peux te dire que vous voyez notre argent un peu. Il va. Il est à 1000 mètres, mec. Attends, je vais essayer de te rattraper. Il va doubler, tripler, quadrupler. Donc là, on. Oh, par contre, j'étais un peu trop vite. C'est vrai que ça va vite, hein. Je t'attends. Je suis en train d'arriver là. Et tu vois, on va. 500 mètres. On se gare tranquille. 400 mètres. Oula, attends, faut que je recule. Faut que je. Ah, oula. Tranquille. On va se garer, on va essayer de se garer. Moi je suis rentré, je suis posé tranquille. Je t'attends à l'extérieur, tu vois. Telle une femme qui attend son amant. Merde, putain, je vais me. Ah, je vais pas pouvoir me garer, faut que je fasse de béton. Je suis sûr que t'es à la. T'es où? Oh. Attends. Sur la carte. Attends. Mais c'est dans quel sens ça? En jaune. Ah, voilà, dans ce sens là. Attends, je te vois plus. Mais je suis là. Jaune. Navigation. Je me garais bien moi. Tu vois, tu t'es garé à l'envers. Tac. Je suis juste là, à côté de toi. Je vais me garer vers ton vaisseau là. Putain, mais je regardais trop dans l'autre sens. Allez, vas-y, tu peux le faire. Fais ton petit créneau. Et tu vois, moi, il est bien garé. Hein. Moi, j'aime mieux le garer que toi. Tu t'es pris l'entrée. Hein. En arrière. Hop. On coupe tout. Allez, on sort du vaisseau. On sort du vaisseau. Voilà ce qu'on va faire. C'est quoi? Ah, je suis bien garé quand même. Bonjour. Je suis prêt à repartir, moi. C'est même pas le seul ton vaisseau, donc je comprends pas. Il est en apesanteur. Le tien aussi, il est un peu en apesanteur. Ouais, j'avoue. Ouais, mais tu sais, c'est parce que c'est pas un sas qui doit couper l'apesanteur, je pense. Ouais, c'est... Là, on est dans une station abandonnée. Ouais, là, on est dans une station abandonnée, donc ce qu'on va faire, okay. C'est que bah. T'es où toi? Je suis là. Ah bon, on va où alors maintenant? Ce que je vais faire, c'est que je vais poser un bloc. Toi, tu peux rentrer dedans et je peux rentrer dedans en même temps. Si quelqu'un le pète, la personne ah. qui le pète va rapatrier tous les gens okay. Directement où il a été détruit. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que t'es dedans? Tu t'es mis dedans, Otek? Ouais, j'étais dedans. Je voilà. Une fois qu'on est dedans, on passe en build mode et ça va être vraiment sympathique parce que comme je t'expliquais tout à l'heure, on appuie sur CTRL et là en X, on va mettre 10. Ah mais faut rester appuyé sur CTRL. Ouais, reste appuyé. Mais tu vas voir pourquoi. En Z, on appuie sur 10 aussi. On met tout en 10. 10. Y aussi. Ouais, tout 10. Est-ce que ce qu'on va faire, c'est que je vais te laisser prendre l'ascenseur. Je suis gentil. 10. Et remove mode ou pas? Non, remove mode, ça on s'en fout. Et ce que okay. tu vas faire, c'est que tu vois, ça va te faire un grand carré. Un grand carré. Ah merde, là, ça me l'a enlevé. Je crois ouais, que ça me l'a. Reste toujours appuyé. Mais mets-toi okay. en. Un point genre sort attends. En build mode, tu peux voler. Donc sort et prends vraiment de la. Mets-toi en plein milieu de la station. Genre. Ouais, je prends là, je suis vers l'ascenseur normalement. Prends de la distance, t'appuies sur CTRL et là, normalement, en 3 clics, tu peux prendre tout l'ascenseur. Il faut clic gauche. Clic droit. Oui, je sais plus. Clic droit, mec. Clic droit, ouais. Regarde, tu vois comment ça disparaît? Et avec ça, tu récupères tous les blocs. Et ah ouais, dans mon inventaire. Voilà. Oh, on peut se faire tellement des trucs de malade. Quand tu vends ça, le verre, ça coûte une fortune. Donc ce que je vais faire, moi, c'est que j'ai piqué tout le verre qui est en haut. Et toi, bah t'as que tu peux. J'arrive pas à le choper bien. T'arrives pas? Tu restes toujours appuyé sur CTRL et tu prends. Tu cliques, tu cliques. Et alors moi là je suis en train de prendre tout le... Je suis en train de vider l'inventaire, le hangar aussi je crois.
Ah, le hangar, par contre, faut faire attention, on vide pas le hangar avec le vaisseau parce que. Ah, donc comme ça, on peut vider. J'arrive pas à choper les derniers trucs de verre là. Ouais, il y a pas mal de batteries aussi dans les. De loin, par exemple, bah, tu verras la vue où je suis. Quand tu te mets de loin, ça te permet de vider une station en très peu de temps. Je suis en train de piler, enfin, vider un poteau. Et genre là, des power batteries, je suis déjà à 700. Attends. À 7773 blocs de ferraille. Oh. Je suis en train de regarder. Putain, il y a tellement de verre là-haut. Ah bah, alors le verre, c'est. Il y en a plus beaucoup. Je t'en laisse un peu si tu veux. Ouais, j'ai vu. Je te vois. Tu vois surtout mes trous, non? Ouais, il va plutôt tes trous, ouais. Ah voilà, donc là, comment se faire des sous rapidement? Voilà. Vous avez compris, c'est avec un build block, c'est ça? Ouais, un build block, ouais, exactement. Un bloc de construction. Vous faites ça dans une station spatiale et vous la videz. Donc là, elle va bien être vidée, ça, je peux vous le dire. Et du coup, ça va pouvoir nous faire faire des sous. On va aller voir comment après. Ouais. Donc t'as combien de blocs de verre? Moi, j'en ai 1400. J'en ai 1800. En fait, ça va. T'as bien compris le système. Les blocs. Dès qu'on peut faire des sous, je comprends vite le système, moi, tu vois. Il y a un petit bloc qui est sympa aussi, c'est le beacon bloc qui se trouve dans les petites lianes, en gros, ce que je suis en train de prendre. Et c'est des lumières vraiment fortes. Donc, ouais, là j'ai des lampes là. Ouais, c'est ça, les petites lampes. Et quand on fait des regards, les Pex Light petits... Non, c'est les beacons. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 5 par station. Et ça permet de faire un flash. Non, c'est Plex Beacon, exactement. Et c'est des lampes qui flashent de loin, quoi, en gros. Et avec ça, on va pouvoir améliorer nos vaisseaux. Ah bah oui, ça, tu peux en mettre. Moi, des fois, j'en mettais sur mes vaisseaux à l'avant, comme ça aveuglait un peu les vaisseaux adverses. Donc après, chacun a sa technique. Là, je prends un peu de batterie. C'est quoi les batteries? Je suis à 63 de power. Tu vois les grandes tours noires? Ouais. Bah, en gros, à l'intérieur, il y a une sorte de je sais pas si c'est général. Ah ouais, je les vois, ouais. Pas mal de power, donc... ça sert toujours, quoi, les vaisseaux. Je les vois, genre la tour que je suis en train de dévaliser, elle va plus vite que prévu. T'inquiète, je fais la même chose que toi là. Du coup, j'ai vidé le truc de batterie que tu m'as dit là. J'avais pris à travers, faut que je vois dans mon inventaire. Inventaire, ah, j'ai des power. Ah, les power qu'on a là. Ouais, c'est ça. Ah putain, ouais. Même les lampes jaunes, enfin les lampes blanches, il y a pas mal de choses qui servent. Moi, ce que je pense souvent sur les stations abandonnées, c'est le verre, les lampes, après l'ascenseur et les batteries. L'ascenseur, je l'ai pris, c'est moi qui l'ai, j'en ai le Plex Lifter. Ouais. Ça sert dans les vaisseaux ou dans les stations. Ça, ce qu'on fait, c'est du cheat en fait, non? Bah, c'est du cheat, mais c'est incorporé dans le jeu, donc pour l'instant. Le développeur est vraiment au courant parce qu'il a fait une mise à jour et il sait très bien que les gens utilisent ça. Après, c'est une commande qui est très peu utilisée, le 10 par 10 par 10, très peu de gens savent qu'en appuyant sur le contrôle on peut faire ça. Ouais, parce que là tu vas beaucoup plus vite pour vider un truc, hein. Ah oui, bah j'ai passé des soirées avec Ray à la base, un bloc par un bloc. Je peux te dire que quand t'apprends ça, tu fais les nouilles. Alors moi j'en ai maintenant 320 des power. Ouais, bah, je pense qu'on peut s'arrêter là et ouais, reprendre nos vaisseaux peut-être. Ouais. Et quand tu appuies sur la touche d'action, bah tu réapparais au petit bloc, je te reprends. Bon bah c'est parti. Du coup, qu'est-ce que nous allons faire pendant le temps qu'il nous reste? Je vais regarder. Nous allons essayer de trouver un vendeur. Ouais, un vendeur. Donc là, il y en a à 1800 mètres, 2000 mètres. Tu le vois ou pas celui à 1825 mètres? Alors attends, N. Ouais, dans Navigation. Attends, une Nantes dans Navigation. Alors. Shop 16658. Si je le vois, ouais, c'est parti pour lui. Vas-y, c'est parti. C'est qui va arriver pour lui, j'ai pas attention. Alors en fait, je sais pas c'est lequel, secteur 232. Ah oui, j'avoue, moi j'en ai deux. Ah si, c'est écrit shop. Shop là. Ouais, trop tard, je suis parti. Trop tard, je suis parti aussi. On va voir que c'est qui va arriver le premier. Ah, je te vois en haut à droite. Ah, je te vois sur la gauche. Ah. Vite. Bon, je suis dead. Shop. Shift gauche, voilà. J'y suis. Non, je pars trop loin. Non, on est arrivé, ouais, on est arrivé à peu près. Je suis parti trop loin, mec. T'imagines même pas. Enfin, trop loin. Tout est relatif. Alors, attends, va falloir garer le véhicule. Ouais. Dès que t'es garé, tu me dis comme ça, on va finir
épisode sur comment se faire de l'argent sur Paris. Normalement là je suis garé. R. Ouais, attends, faut que je me remette dans le bon sens parce que je crois qu'il est à l'envers mon. Oui, il est à l'envers mon. Ok, alors ouais, t'es où toi? Je suis garé. Mais t'es où? Je suis sorti moi. Ah, t'es sorti, mais t'as pas le temps, tu peux rester dans ton vaisseau à fois. Ah, d'accord. Moi, tu peux rester dedans. Dès qu'il écrit en haut à droite Shopping Ranch, c'est-à-dire que tu peux te permettre de vendre. Donc, par exemple, ce qu'on va faire, c'est que tu vas dans Inventory. Attends, Inventory, ouais. Tu prends toutes tes glaces et tu fais Drop Air to Sell. Et là, ils disent, est-ce que vous voulez vendre, etc. Donc, ouais, tu vas 2300, 2400, ok. Alors, regardons les crédits, c'est ça? Ouais. Ok, et là, les crédits, moi, je... Erreur. Ah, mais reclique, moi, je suis...